qui pénètre dans ma tombe ? Chronos ! Je sais que c'est toi qui l'as tué, Spartiate. Qui d'autre pouvait ? Je vis dans le tourment par ta faute. Quand tu as pris la boîte de Pandore dans le temple, Zeus s'était envahi par la peur. Il m'a envoyé au fond du Tartare. Les dieux m'avaient demandé d'exécuter Arès. Tu as tué Arès par soif de vengeance. Mais cette fois, l'heure de ma récompense a sonné, Spartiate. Où étais-tu passé? En tout cas, tu montres ta vraie.
Pourquoi t'enfuis-tu, Kratos? Il n'y a aucune issue. Non, calme-toi, Kratos. Je savais que tu pouvais relever le défi. Il me faut absolument cette pierre d'Omphalos. Tu verras. Dépêche-toi, vieil homme. Une arme comme celle-ci ne peut pas se forger à la hâte. Ton attente sera récompensée. Une arme d'une finesse incomparable.
Comme promis. Et voici ta récompense. Pitié, épargne-la, Pandore. Pardonne-moi. Ouais, de Némésis, c'est à toi, Kratos. Ceux qui oseront te barrer la route goûteront à son électricité.
Je lui ai dit de te tuer. Je lui avais demandé de te tuer dès le jour de ta naissance. Mais il a refusé. Mon stupide mari a eu pitié. Et maintenant, regarde ce que tu as provoqué. Regarde. Regarde. Il meurt à cause de toi. Tout meurt, et c'est à cause de toi. Il n'y a plus de soleil. Les océans ont avalé la terre. La maladie infecte le peu qui a survécu. Je fais tout mon possible pour les garder en vie. Mais toi, ton massacre impitoyable des dieux a provoqué ce chaos. Ah ! Tu crois que ce jardin n'est pas protégé ? Ta brutalité l'a peut-être emporté sur Hercule. Mais ton esprit limité ne trouvera jamais le chemin de la sortie. Je suis impatiente de te voir mourir ici, comme un vieil homme. Simple mortel. Comment oses-tu nous défier? Tu crois que je vais te laisser partir comme ça? On n'en a pas fini, toi et moi. Qu'as-tu fait? Que m'as-tu donc fait? Lâche!
Tu détruis tout ce que tu touches. Bonne chance avec cette traînée que tu appelles Pandore. Le cadeau d'Hadès, le feu liquide, c'est ce qui vient en premier. Ensuite, il y a le cadeau de Boreas, la tempête de glace. Cela me donnera le pouvoir de ramener mon fils à mes côtés. Bientôt, mon petit sera avec moi. Je l'ai construit, mes calculs sont terminés, ils sont justes. Rien ne peut remettre en question ma loyauté. Thank you.
faire trouver la tempête de glace de Boreas. C'est la clé pour débloquer le labyrinthe. Qui va là ? Mon fils ! Mon magnifique Icare ! Ah, bien, bien. Tu as la tempête de glace. Le scorpion doit être anéanti. Cette tempête, c'est la clé pour venir à bout du labyrinthe. Pour y échapper, nous devons tout assembler. Bien, bien, tu as déjà commencé. Je vois les cubes qui changent de place. Maintenant, une fois à l'intérieur, tu dois utiliser le cadeau de Boreas. C'est le catalyseur qui contrôle le labyrinthe. Mais tu n'es pas... Mais... Tu... Qu'as-tu donc fait à mon enfant, mon petit ? Où est mon petit ? Ton fils est mort, Dédale. Mon fils... Mon enfant... Non ! Non ! Non ! J'ai pris le cadeau de Hadès, le feu liquide, et la tempête de glace pour créer le pouvoir du labyrinthe. Créer le pouvoir ! Créer le pouvoir ! Le pouvoir de créer, le pouvoir de détruire. Le roi des dieux m'a pardonné. Si je construisais le labyrinthe, il a promis que je verrais le retour de mon fils ! Il a dit que si je prenais le feu liquide... Oh, mon garçon! Oh, mon enfant! Ah!
qu'a-t-il donc fait ? Il m'a dit de ne plus jamais te parler. Sinon, qu'il s'en prendra à toi comme il s'en est pris à mon père. Impossible. Il m'a dit qu'il te tuerait. Il ne peut pas. Nous devons partir d'ici. Viens, je peux te montrer le chemin. Merci.
aussi, Kratos. Notre voyage est loin d'être terminé, Pandore. D'ici là, tu ne me remercieras plus. J'en ai peut-être l'air, mais je ne suis plus une enfant. J'ai vu de nombreuses choses terribles. Je n'ai pas peur. Je sais très bien ce qui m'attend. J'ai vu Zeus torturer mon père. Je l'ai vu meurtri à cause de moi. J'aurais dû l'aider, mais j'avais peur. Héphaïstos a agi comme tous les pères le devraient, en protégeant son enfant. Non ! Tout est ma faute. Je l'ai abandonné parce que j'avais peur. La peur est semblable aux ténèbres. Dans ces ténèbres, j'ai entendu ce que les dieux disaient de moi. Ils me traitaient de monstre. Les mots ne sont que du vent. Peut-être. Mais j'ai senti de la peur dans leurs propos. La peur d'un guerrier couvert de cendres. La peur de toi. Tandis que la peur des dieux grandissait, la mienne était remplacée par l'espoir. L'espoir est pour les faibles, Pandore. C'est l'espoir qui nous rend forts. C'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est avec l'espoir que nous combattons quand tout le reste est perdu. Voilà où mène l'espoir, fillette. Retiens bien cette leçon. La chaîne, Kratos. Mon père m'a dit une fois que c'est ce qui maintient l'équilibre des pouvoirs dans l'Olympe. Brise la chaîne pour élever le labyrinthe. Attends-moi ici. Thank you.
sais que je me suis enfui. Vite, je l'entends. Il est tout près. Pitié, aide-moi, Kratos, vite. Pas de vue ton but, Spartiate. Souviens-toi pourquoi tu es allé si loin. Prépare-toi, Spartiate. Tu sais ce que tu dois faire. Je vais élever le labyrinthe. Je la ramènerai d'où elle vient. Ténèbres, les flammes de l'espoir nous libéreront. Pandore, non! Tu sais pourquoi je suis ici. Tu m'as amené ici pour que je le fasse. Je trouverai un autre moyen. Non, Kratos, il n'existe pas d'autre moyen. Laisse-moi y aller. Non, fillette! Je ne suis pas une enfant. Tu me fais mal. Kratos, à l'aide! Relâche-la, Zeus! Ton obsession pour cette chose devient quelque peu gênante, mon fils. Oh, lâche la fille, Zeus! Ne confonds pas cette créature fabriquée par Héphaïstos avec ta chair et ton sang.
Mais c'est peut-être déjà le cas, Spartiate. La quête que tu mènes, ton obstination pathétique à tenter d'expier le meurtre de ta famille, n'a provoqué que le chaos sur l'Olympe. Regarde autour de toi ce que tu as créé. Je ne vois que ce que je suis venu détruire. Ma plus grande erreur a été d'avoir pitié de toi, Kratos. Tout comme la pitié que tu éprouves pour cette créature sera ta plus grande erreur. Elle n'a rien à voir avec ça! Elle a au contraire tout à voir avec ça! Lâche-la! Comme tu le voudras. Pénétrer dans la flamme! C'est la raison pour laquelle j'ai été créée! Tu le sais! S'il te plaît! Silence! Kratos, tu sais qu'il n'y a pas d'autre solution! Ne l'écoute pas, Kratos! Pour une fois dans ta vie pathétique, ne sois pas lâche! Ne l'abandonne pas comme tu as abandonné ta famille! Ces sacrifices, ce n'est encore qu'un échec retentissant. Quel chaos! J'aurais beaucoup à faire une fois que je t'aurais tué. Affronte-moi, père! Il est temps d'en finir! Oui, mon fils. Il est temps.
temps. J'ai voulu ta mort, Spartiate, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Ton serviteur a échoué, Gaïa. Tu aurais peut-être dû choisir l'autre, finalement. Assez ! Père et fils mourront ensemble ! Thank you.
n'y a que les ténèbres qui t'attendent, Kratos. Calliope. Mère, j'ai peur. Ils vont venir nous chercher. Ton père va nous protéger. Brûlez ce village! Brûlez-moi tout ça! Père! Kratos! Père! Non! Non, père, non! Ma femme. Ma fille. Elles étaient à Sparte. Le chemin. Fais vite! Je peux aider, Kratos! Kratos, dans les ténèbres, les flammes de l'espoir nous libéreront. Voyez la lumière. Elle vous change. Il est temps d'oublier enfin la peur qui vous ronge. La lumière révèle la vérité. Le pouvoir de pardonner vient de l'intérieur. Pour être pardonné, vous devez trouver la force de le faire vous-même. Zeus a tué son père, Cronos. Cette même peur qui a mené à la Grande Guerre. La peur qui a poussé Zeus à te tuer. Toi, son propre fils. Zeus utilise cette peur pour te garder dans les ténèbres. Affronte tes démons et donne-leur le repos. Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Désormais... Te souviens-tu de ce jour, Spartiate? Je ne te laisserai pas la blesser! Bonne chance avec cette traînée que tu appelles Pandore! Tu ne veux pas composer ton destin? Je t'ai tout donné, tout ce que j'avais. Par pitié, ne fais pas ça, Spartiate. Tu as eu ce que tu voulais. Laisse-moi tranquille. Meurs, Spartiate. Aujourd'hui, tu me bats peut-être. Mais en fin de compte, Kratos, en fin de compte, tu ne trahiras que toi-même. Tu paieras pour ce crime.
jamais vaincu. Viens, je peux te montrer le chemin. C'est moi qui t'ai tué, et c'est moi qui vais t'achever. Fais vite! Pourquoi ne m'as-tu pas? Meurs! Tremble, mon père! Kratos! Par ici, Kratos! Silence! Fais vite, Kratos! Kratos, je t'en prie, j'ai besoin que tu me libères. Ne l'écoute pas, Kratos. Pour une fois dans ta vie pathétique, ne sois pas lâche. Ne l'abandonne pas comme tu as abandonné ta vie. Tout ira bien, Kratos. Kratos, tu sais qu'il n'y a pas d'autre solution. Tandis que la peur des dieux grandissait, la mienne était remplacée par l'espoir. Le pouvoir de tuer un dieu. C'est l'espoir qui nous rend forts. C'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est avec l'espoir que nous combattons quand tout le reste est perdu. Félicitations, Kratos. Libéré du joug de l'Olympe et lavé par le chaos, l'humanité est maintenant prête à entendre mon message. Regarde alentour, Athéna. Le monde est en ruine. Ton message ne peut pas être bon. Pars si tu le dois. Mais d'abord, donne-moi le pouvoir qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. La boîte était vide. C'est impossible. Je le vois dans tes yeux.
Mon pouvoir t'a aidé à tuer Zeus. Tu l'as encore en ce moment. Tu ne comprends donc pas? Lorsque Zeus a rassemblé tous les mots et les a placés dans la boîte, j'ai craint ce qui arriverait si quelqu'un l'ouvrait de nouveau. Et ainsi, j'ai invoqué l'arme la plus puissante au monde et je l'ai placée dans la boîte. Je te l'ai dit, elle était vide. Pandore s'est sacrifiée en vain. Elle est morte à cause de ma soif de vengeance. Tu dois te tromper. Tu as tué Zeus avec mon pouvoir. Je t'ai vu le faire. À moins que... Bien sûr. Lorsque tu as ouvert la boîte, tu as libéré les maux sur les dieux. Ils les ont contaminés. Transformé. Zeus lui-même est devenu la proie de ces maux maléfiques. Ce qui explique pourquoi il est devenu si enragé et obsédé par ta mort. Il était dévoré par un de ces maux, la peur. Je pensais que le pouvoir que j'avais placé dans la boîte n'avait jamais été libéré. Pendant toutes ces années, j'étais convaincue que tu avais puisé dans ces maux pour détruire Arès. Et j'avais tort. Le pouvoir dans lequel tu as puisé est le mien. Tu as acquis une force que Zeus ne peut pas détruire. Une force suffisamment grande pour surmonter la peur. Au plus profond de toi, Kratos, sommeille l'espoir. Il est resté enfoui, piégé par tes remords et les fautes de ton passé. Quand tu as tué Zeus, tu as dû le débloquer et le réveiller. Qui a-t-il, Kratos? C'est l'espoir qui nous rend forts. C'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est avec l'espoir que nous combattons quand tout le reste est perdu. Qui a-t-il, Kratos? Tout ce dont je me souviens, c'est ce que j'ai perdu. C'est pourquoi tu dois me donner le pouvoir. Je connais sa vraie signification et son origine. Je sais que tu feras les bons choix, Kratos. Tu ne devrais pas. Tu me le dois, Kratos. Je ne te dois rien du tout. J'ai fait de toi un dieu. Je t'ai protégé de la colère de l'Olympe. J'ai assouvi ta vengeance envers Zeus. C'est terminé, Athéna. Tu oserais me terrasser ? Encore ? Ma vengeance s'achève. Kratos, non ! Imbécile ! Qu'as-tu donc fait ? Ça m'était destiné ! Ils ne sauront même pas quoi en faire ! Tu me déçois, Spartiate. Thank you.